Dylan, je dirais bizarre. Dylan, il est bizarre dans le sens où, voyant un peu la diffusion, j'ai vu qu'il savait ce qui se faisait en fait. Moi, je suis arrivé dans la voiture, première télé, je ne sais pas comment me comporter, etc. C'est compliqué. Mais lui, en visionnant les épisodes, il avait déjà un train d'avance. Mélanie, je dirais joueuse. Joueuse parce qu'elle sait ce qu'elle fait, à quel moment, pourquoi, pour qui. Jonathan, je dirais charismatique. Charismatique parce que j'aime bien sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter. Je dirais charismatique pour définir Jonathan, ouais. Sa manière de parler, je me reconnais un peu, on va dire en version un peu plus âgée. Et du coup, j'aime bien, donc je dirais charismatique pour Jonathan. Quand Sarah est arrivée, je me suis dit tout simplement, en vrai, on se mêle pas de deux personnes qui ont été en couple, hein, parce que leurs histoires étaient un peu farfelues, les versions, elles étaient pas forcément coordonnées, on comprenait strictement rien, on était totalement perdus, parce que nous, on est arrivé, on avait la version de John. Sarah, on s'attendait pas à son arrivée, elle arrive en cours d'aventure, elle a donné une autre version, et du coup, c'était assez... on était assez perplexe, ouais, assez perplexe, et donc on savait pas forcément quoi penser, donc ça leur regarde. On n'est pas d'accord sur le terme, sur cette pseudo-tromperie. Que je le reconnais. Maintenant, il n'y a pas eu de bisous, il n'y a pas eu de coucherie. Tu dis, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait de bisous, je n'ai pas ceci, cela. Pour moi, ça reste quand même une tromperie à partir du moment où tu parles avec quelqu'un. Mais ce n'est pas le plus gros point que je te reproche dans la relation. Eva, je dirais exceptionnelle. Eva, elle me fait trop rire, elle m'a tué. Franchement, c'est vraiment... l'image n'a rien à voir avec, l'intérieur du livre. Genre, la couverture n'a rien à voir avec l'intérieur du livre. Genre, Eva, elle est exceptionnelle dans sa manière d'être, sa manière de se comporter, sa manière de parler, son intelligence même. Elle a un degré d'intelligence assez spécial, mais que j'aime bien. Et franchement, ouais, elle est exceptionnelle, Eva. J'ai kiffé. Super personnage. Elle est là pour Anto, elle a sa place. Toi, tu es venu pour qui? Personne. Bah, tu gicles alors. Mais t'es qui toi? T'es qui je toi? Je suis Eva Ducci. Et alors? Mélanie, je dirais joueuse. Joueuse parce qu'elle sait ce qu'elle fait, à quel moment, pourquoi, pour qui. Et parce qu'on s'est cherché en début d'aventure, c'était bien cool, on s'est échangé un bon bisou. Ça a été cool et puis voilà, on est resté en très bon terme. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours une joueuse. Après, je pense aussi que sa relation avec Dylan l'a un peu déstabilisé. Mais comme je lui ai toujours dit, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites. Aie confiance en toi et ne laisse personne te rabaisser, clairement. Non, Mélanie, je pense pas retenter quelque chose avec elle. Après, je sais pas, peut-être que s'il y a des circonstances qui font que les mots se retrouvent, mais à l'heure actuelle, c'est une bonne pote, hein. Cassandra, je dirais impulsive et cœur brisé à la fois. Dans le sens où impulsive par rapport à ses réactions dans la villa, on la voit assez pleurer, elle est aussi très émotive. Après, je pense que Cassandra, elle a beaucoup absorbé de sa relation avec Théo et c'est pour ça qu'on la voit comme ça, même si on ne voit pas forcément aussi les bons moments, parce qu'ils ont passé des très bons moments, Cassandra et Théo. Cœur brisé aussi, je dirais cœur brisé Cassandra aussi, parce que clairement, elle est venue. Elle espérait, on va dire, arranger son couple, chose qui a pu se faire, mais elle avait clairement le cœur en miettes, quoi. Donc c'est pour ça que je dis cœur brisé aussi. Théo, je dirais gaffeur. Ah, Théo, franchement, c'est le boss des gaffes. Il est trop fort. Je sais pas comment il fait, il est trop fort. Moi, personnellement, je l'ai compris, mais c'est sûr que dans la position où il était avec Cassandra, c'était super compliqué et clairement, elle sait pas comment faire. Elle sait que son mec, c'est un gaffeur, mais elle en a tellement marre des gaffes que directement, elle lui rentre dedans. Raison, c'est pas de la sincérité parce que dans cette vie-là. Tu peux dire, soit disant des culs, Cassandra, elle a un bon petit cul, mais si je parle en cru, hein. Mais elle a pas non plus le pire tarpé. Et tu serais mentir. Par contre, j'ai dit le pire, attends, j'ai dit le pire tarpé. T'as pas fait ça, Théo. On peut pas faire pire que ce que tu viens de faire. Non mais allô, alors Cassandra, elle a pas le pire. Allô, laisse-moi finir d'abord. Toi, t'es le. Et je te jure, la vie, à partir de ce soir, je te donne même plus l'heure. Tu m'affiches comme ça, toi? Mais il a le droit d'aimer les petits culs, tu sais quoi? Merci Tristan, vas-y, merci Tristan. Mais c'est quoi, j'ai voulu te défendre? Il a bien de merde, j'ai voulu te défendre. Non, c'est pas toi, tu pourrais pas dire ça comme ça. Moi, je l'adore. Ferme ta grosse bouche, toi, là, dessus. Ferme ta bouche. Mais c'est un boss. Franchement, c'est un boss, c'est un bon de ouf. Après, moi, j'ai un rapport assez, on va dire, différent de Cassandra de l'infidélité. Parce que moi, je pars du principe où, à partir du moment où tu me trompes une fois, on n'a plus rien à faire ensemble. Elle a décidé de rester, elle a décidé d'assumer et d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça qu'elle a fait cette aventure et que aussi ils se sont pris un peu plein la gueule par rapport à leur couple, quoi. Clément, je dirais attachante.
super, franchement, Clémence, je l'ai trouvée super attachante de par sa problématique et par sa personne. Une problématique, je pense que c'est la problématique qui m'a vraiment fait pleurer parce que j'avais des images de sa problématique et ça m'a vraiment touché. Elle est super mignonne. Moi, franchement, j'ai grave kiffé. C'était vraiment ma copine de l'aventure. Dylan, je dirais bizarre. Dylan, il est bizarre dans le sens où moi, la personne que j'ai connue en aventure, c'est vraiment un mec en or. Un mec en or, j'ai grave kiffé et tout. Malgré qu'on était en clash, on était un peu tous les deux sur la même meuf. Mais après, en voyant un peu la diffusion, j'ai vu qu'il savait ce qui se faisait en fait. Moi, je suis arrivé dans l'aventure, première télé, je ne sais pas comment me comporter, etc. C'est compliqué. Mais lui, en visionnant les épisodes, il avait déjà un train d'avance. Donc chaque moment qu'il faisait, quand il parlait avec Mélanie, c'était dans des endroits bien spécifiques, etc., où on ne les voyait pas forcément et tout. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre. Bah, après, c'est le jeu, hein, c'est le but du jeu, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Bah, aujourd'hui, moi et Dylan, on est en très bon terme, on parle, on s'échange des messages, etc. Après, bon, il habite à Dubaï, j'habite à Paris, donc c'est assez compliqué de se voir. Josepa, c'est mon bébé. Franchement, Josepa, c'est vraiment bébé. C'est mon bébé d'aventure. Ça a été un coup de cœur de ouf. Je pourrais pas expliquer Josepa. C'est Josepa. J'ai été grave là pour elle comme elle a été là pour moi. On s'est grave ouvert tous les deux. Même la polémique qu'il y a eu, comme quoi elle était en couple, etc. Moi, je savais très bien que c'était faux. Mais bon, après, ma voix compte peu. Mais c'est vraiment genre mon bébé d'aventure. Je pense qu'elle a passé une aventure qui a été vraiment difficile. Elle s'est pas sentie à l'aise dans la maison. Mais en tout cas, avec moi, elle était assez à l'aise, on parlait beaucoup, etc. Donc c'est vraiment mon bébé d'aventure. Je me dis pourquoi, quand moi je voulais réussir, quand j'essayais de réussir toute seule parce que j'ai travaillé très jeune, j'ai toujours tout fait pour essayer de m'en sortir. J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Je recevais des messages longs comme ça pour me dire tu vas devenir comme ton père, tu fais rien de ta vie. Alors que je me levais tous les matins, je me disais la seule chose que je veux, c'est être indépendante, rien attendre de personne. Bah moi, Josepa, quand j'ai quitté l'aventure, elle a quitté un jour après moi. Et en fait, le dimanche, quand on est parti pour faire le générique de la villa, j'ai parlé avec Josepa, tu vois. J'ai parlé avec Josepa, je lui ai expliqué un peu le ressenti de la villa, le ressenti des candidats. Et moi, mon ressenti, elle m'a clairement dit, pour moi, elle m'a dit, Sao, l'aventure, elle est terminée, je suis dehors. Si j'étais en couple, je t'aurais clairement dit, oui, j'étais en couple. Elle m'a dit, par A plus B, non, je ne le suis pas. Et carrément, on quitte l'aventure. En fait, quand elle a quitté l'aventure, elle pleurait. Moi, je l'ai vu pleurer, mais elle pleurait pas forcément parce qu'elle avait quitté l'aventure, mais parce qu'on la prenait pour une personne qu'elle n'était pas, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est plus ça qui lui a fait mal et qui a fait qu'en fait, elle a tout simplement décidé de partir de l'aventure. Elle s'est dit, pourquoi rester avec des gens qui ne croient pas? Je m'entends pas forcément bien avec eux, je passe une mauvaise aventure, autant partir, quoi. Non, Josepa, ça n'a jamais été ambigu. Après, je pense pas que je suis son style. Moi, je dirais pas. Moi, c'est pas trop mon style, mais c'est une belle femme. Donc après, voilà, on sait pas de quoi elle fait demain. Inès, c'est ma fée. Inès, c'est vraiment une fée. Elle dégage un aura, elle dégage un truc qui fait que quand t'es avec elle, t'as envie de parler. En gros, pour moi, c'était ma Lucie de la maison. Alors, il y a Tristan qui est venu me voir. Ouais. Il m'a dit qu'il a l'impression qu'il y a un petit jeu de séduction entre vous deux. Non. Dans le sens où t'as des réactions et tout le concernant? Alors, pas du tout. Genre, il y avait Lucie et il y avait Inès. Et Inès, c'était vraiment genre. Je lui ai dévoilé toute ma vie. J'ai parlé avec elle. C'était vraiment ma go de l'aventure. Putain d'aura. Elle me prenait dans ses bras quand je pleurais parce que j'ai vraiment passé une aventure à pleurer. Pourtant, c'est pas mon cas. Et elle était vraiment là pour moi, H24. Genre, vraiment H24. Elle était tout le temps là pour moi. Donc, franchement, Inès, c'est ma fée d'aventure, clairement. Avec sa baguette, ah ouais, à fond. C'était une aventure assez compliquée pour ma part. En fait, j'utilisais des mots que j'avais pas forcément l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours, plus la résonance des mots. Et aussi le fait de parler, parce que je suis une personne qui ne parle pas, qui intériorise énormément. Et on va dire sur pratiquement 10 ans d'expérience, je peux pas arriver et tout dévoiler en 6 semaines. Enfin, c'est impossible. Et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je parlais avec un tel, etc., par rapport à ma problématique, j'étais un peu dans le mal. Bah, elle est gentille. Alice, je dirais gentille. Après, franchement, j'ai bien aimé sa personne. On n'a pas forcément été super proches dans l'aventure. C'est pas une fille avec qui j'ai beaucoup parlé, mais je l'ai trouvée super gentille. Et elle a ses principes. Elle a ses principes, elle a sa façon de voir et elle a sa direction. Elle sait déjà là où elle veut aller. Donc voilà, je dirais plus Alice, je dirais plus directive. Je pense que c'est dur, directive peut-être.
Anthony, mon loulou, lui c'est mon gars de fou. Anthony, c'est mon gars de fou, c'est un malade. C'est vraiment un malade, il était grave là aussi pour moi. En soi, tous les Camerounais, ils étaient là pour moi. Mais Anthony, avec la chambre des garçons, même à l'hôtel et tout, avant la villa et tout, franchement, il était grave là pour moi. C'est grave un bon. En soi, tous les garçons, c'était grave des bons avec moi, genre, même malgré les clashs et tout. Mais vraiment des putains de coups de cœur dans la voiture. Mais vraiment, bah, Tristan, coup de cœur. Coup de cœur de ouf, c'est la piraterie, Charo. Tu connais? Non, c'est un bon de ouf aussi. Pourtant, Tristan, il m'a dit que quand il m'a vu la première fois, genre en mode, il pouvait pas me voir. Il pouvait pas m'encastrer, il s'est dit, lui, je vais me le faire et tout. Et il me l'a dit après l'aventure, il me l'a dit, ouais, tu sais pas, attends, je voulais te faire et tout. Il y en a quand je t'ai vu la première fois dans l'avion et tout. Je me suis dit, non, ce mec, je peux pas et tout. Après, bon, quand il a appris à découvrir la personne que je suis et tout, il a bien kiffé, piraterie, jusqu'à aujourd'hui. Bah, il m'a dit, entre guillemets, il m'a fait comprendre le fait que... Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez réservé. Assez réservé, quand je connais pas les gens, je parle pas. Et clairement, quand on a voyagé avec les autres, je parlais pas, j'ai mes écouteurs, je parlais à personne, je calculais personne. Même dans l'avion, je parlais à personne, je demandais rien à personne. Quand je te connais pas, genre en mode, je suis comme ça et c'est pas quelque chose que je peux contrôler. Et quand il a vu ça, il s'est dit, wesh, mais le petit là, en plus j'étais plus petit, il s'est dit, hey, le petit là, il arrive et tout, il bon, il calcule personne, il dit bonjour les trucs à personne, il dit bonjour à personne. Carrément, c'est même moi, je dois lui dire là où il doit s'asseoir dans l'avion alors qu'il sait très bien où sa place et tout. Genre, tu vois, plein de trucs comme ça, il s'est dit, non, lui, je vais me le faire. Jérémy Fétard. 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 Un très bon fétard. Un très bon fétard, un très bon gars. J'ai vraiment appris à découvrir sa personne. En fait, ce qui est bien dans la villa, c'est que... En tout cas, moi, ce qui m'a fait du bien, c'est que j'ai l'habitude d'être avec des personnes qui ont, on va dire, la même attitude, le même comportement, etc., qui sont exactement comme moi. Et dans la villa, j'ai appris à découvrir d'autres aspects, d'autres personnalités, dont Jérémy, Tristan, Anthony, et franchement, j'ai accroché avec tout le monde. Et c'est là que je me suis dit, en fait, que c'est peut-être moi qui est assez introverti, enfin, c'est le mot, introverti. Et bah, Jérémy, c'est un mec, peut-être dans la vie de tous les jours, je ne l'aurais même pas calculé, alors qu'aujourd'hui, c'est grave mon pote. C'est grave mon pote, quand il monte sur Paris, il m'envoie un message directement, on se voit, je passe à son Airbnb, etc., on se tape des bars, on passe des soirées, on regarde des épisodes et tout. Franchement, c'est mes frères. Jérémy, Tristan, c'est mes frères. Il n'y a rien, c'est mes frères. Ah, Lucie, la fameuse Lucie. Je dirais amazing. Elle est vraiment amazing, que ce soit dans sa façon de marcher, dans sa façon de se tenir, dans sa façon de parler. C'est quand tu es avec Lucie, tu es dans une sphère, il n'y a que toi et elle. J'ai encore le souvenir de la table ronde, de mon passage à la table ronde. Sur mon passage, je pense qu'on était 7 ou 6 cœurs brisés, mais quand je parle avec Lucie, j'avais l'impression que j'étais tout seul. C'est une dinguerie ce qu'elle dégage et tout. Je sais pas comment elle fait, mais c'est. It's just amazing. C'est vraiment amazing, c'est truc de ouf. Déçu de ne pas avoir de coaching, enfin, à la fois oui et non. Déçu dans le sens où j'aurais peut-être aimé par rapport aux téléspectateurs. Puissent un peu plus comprendre ma problématique, surtout qu'il n'y a que la partie, on va dire, cyberharcèlement qui a été montrée, pas forcément la partie avec les femmes, etc. Donc ça a été assez compliqué. Il y a certains téléspectateurs qui n'ont pas forcément compris ma venue dans la villa. Et je pense que le fait d'avoir eu un coaching, ça aurait pu être bénéfique pour moi. Après, par la suite, je sais que le fait de ne pas avoir de coaching a été aussi bénéfique pour moi dans le sens où je sais que sur un coaching, tu dois te livrer. Donc, c'est-à-dire que j'aurais fait un travail sur moi-même et je me serais livré. Mais le truc, c'est quoi? C'est que je ne me serais pas livré en continuité. Et après, par la suite, pour moi, je n'aurais pas forcément été bien. Par exemple, quand je me suis livré à la table ronde, le même soir en question, je voulais rentrer chez moi. Je voulais quitter l'aventure, je voulais rentrer chez moi. J'étais en mode, je regrette de m'être livré, j'aurais jamais dû parler, etc. Même si je sais que ça a été libérateur pour moi et ça a été bénéfique pour plein de téléspectateurs. Mais sur le moment, je voulais vraiment rentrer chez moi et tout annuler, quoi. Aujourd'hui, avec plus de recul, je regrette pas. Je regrette pas parce que je me dis que... Ben, enfin, j'ai reçu tellement de messages, que ce soit des messages de parents, d'enfants, de jeunes, des proches à moi même qui ont vécu des situations qui sont assez similaires à la mienne. Et du coup, je me dis que je peux pas regretter en fait ma venue dans la villa parce qu'en fait, ça a été bénéfique pour plein de gens. Et il y a beaucoup de téléspectateurs qui se sont vus, qui ont peut-être vu des amis à eux dans ma problématique, etc. Et je pense que c'est ce lien-là que les téléspectateurs aujourd'hui cherchent avec les candidats de télé. C'est pas forcément candidat, mais candidat et aussi l'humain. Et je pense que c'est plus ça qu'ils recherchent et c'est ce qui a matché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, ça fait un gros boom un peu dans ma vie, quoi. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de trucs et je reçois énormément de messages. Et d'ailleurs, merci à vous parce que vous êtes juste géniaux.
Mais ouais, je ne peux pas regretter ce passage-là dans la ville. Je ne peux pas regretter, non. C'est un début, c'est un commencement peut-être de quelque chose, ou peut-être vous n'avez plus jamais me voir, on ne sait jamais.